Eh bien, il s'agit d'une première au Québec. Toutes les nations autochtones sont réunies pour ce grand forum socio-économique à Mastoyach, au lac Saint-Jean, avec de nombreux représentants politiques. Jean Charest co-préside l'événement qui s'est ouvert ce soir et qui vise à donner un élan au développement des Premières Nations. Cible visée, Pierre Duchesne. Bravo les gens qui ont eu l'idée de faire ce forum. On n'avait jamais vu cela. 11 nations autochtones réunies, un premier ministre sur place pendant 3 jours, les chefs d'opposition et une dizaine de ministres fédéraux et provinciaux. Moi, j'espère qu'on va avoir une bonne rencontre, un bon forum. Quand il n'y a pas d'espoir, on ne peut pas continuer. Pour sortir les Autochtones du marasme économique et social dans lequel ils vivent, Jean Charest va annoncer différentes mesures socio-économiques totalisant plus de 100 millions de dollars sur quelques années. Mais avant que la nouvelle soit connue, déjà, un chef autochtone demandait plus que de l'argent. Du partage des ressources naturelles, c'est clair. C'est clair que pour ma communauté, c'est un enjeu qui est crucial. Là-dessus, Jean Charest diminuait les attentes. Partage des ressources, c'est très important. Il y a beaucoup d'enjeux, mais on ne réglera pas tout aujourd'hui. Tout comme Mario Dumont. Difficile de donner une participation à des communautés autochtones sur des redevances sur des ressources naturelles, puis de ne pas donner la même chose à une région comme la Côte-Nord. Mais c'est le chef des Premières Nations qui a donné le ton, en rappelant qu'une nouvelle alliance doit être tissée avec les Blancs. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les cultures, les valeurs et les philosophies de nos peuples étaient et sont restées fondamentalement différentes de tout ce qui caractérise la société dominante québécoise. Je ne suis pas Canadien, je ne suis pas Québécois. Je suis Innu. Le fantôme de René Lévesque a hanté les lieux quand Ghislain Picard a rappelé que c'est à l'initiative de ce premier ministre en 1985 que l'Assemblée nationale a reconnu comme nation les peuples autochtones. À l'époque, a dit le grand chef, on croyait que cette résolution n'allait pas assez loin. Aujourd'hui, on réalise qu'elle était très puissante. Pierre Duchesne, Radio-Canada, Mastoyach.